Bonjour à tous et merci d'être avec toute cette année encore et bonne année pour ceux qui n'étaient pas là hier. J'avais oublié de saluer nos amis de la France qui nous regardent avec beaucoup d'attention puisque j'ai eu un retour concernant hier l'invité qui était donc Monsieur Ramasamy de Moutoussamy pardon du groupe Akio. Aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure un autre représentant d'un groupe de masse très important. Il s'agit de Fred Démétrius. Il sera avec nous. Et justement, ben, en avant-goût, juste, comme on dit, antifrisé à Foukoum. Et puis on parlera avec lui, bien sûr, de mai 67 aussi, puisque c'est l'ordre du jour. Un petit morceau de Foukoum, réalisation, et puis on revient vers Mandy pour les infos. Voilà, eh bien, Foukoum qui sera avec nous tout à l'heure, Fred Démétrius, on va parler bien sûr de son groupe, on parlera de mars et de mai 67, puisque, comme vous le savez maintenant, c'est ça qui l'en est là, ça, à dans l'Ionnage à ces masses-là. Hier, c'était Akio, je là, c'est Foukoum, donc pas l'éveillou. Mais pour l'instant, on revient à l'actualité du jour. Nous sommes le 6 janvier et c'est Mandy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Comment vous allez en ce vendredi, dernier jour de la semaine? Moi plutôt bien. Ça se voit d'ailleurs, voilà. Ça se voit. Je tenais à le dire. Je signale, je salue, ben, ceux qui nous écoutent aussi. On vous salue, bonne année. J'ai oublié de racheter. Si. Oh là là, excusez-moi. Mandy me rattrape en tout cas. Et puis aussi, comme le disait Dani, ceux qui nous regardent de très loin, à 8000 km, eux aussi, on va donc les réchauffer le cœur parce qu'il paraît qu'il y aura moins 10 degrés moins 10 ce depuis week-end. Ce matin. Franchement, ce matin, vous en vivez pas. Franchement, je ne crois pas que Mandy aurait pu se balader à Paris moins 10 comme, aujourd'hui comme elle est habillée. C'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, bon, revenons à l'actualité. Et c'est le moment donc de passer au titre de ce 6 janvier 2020. 2017. Le don d'organes, un acte qui peut sauver des vies. Depuis le 1er janvier 2017, si vous ne souhaitez pas être donneur, il faudra donc s'inscrire sur le registre national. Autrement, vous le serez automatiquement. Et également, le docteur Doris Rancier est en Guadeloupe. Elle s'est rendue à l'URMA de Saint-Claude pour partager son expérience et ses recherches qu'elle mène sur le VIH au Canada donc. Et enfin, le 15 janvier prochain, le comité régional de cyclisme Guadeloupe va élire son nouveau président. Trois listes sont en lice pour donc diriger donc ce comité. Il y a entre autres M. Philippe Hermouza, M. Clotaire Bouécas et enfin M. Frédéric Théobald que nous avons donc interviewé. Voilà donc pour les titres de ce vendredi 6 janvier. Mais on va commencer tout de suite par l'information sur les dons d'organes et c'est quelque chose d'important. Et Canadis, juste vous informe là-dessus. Tout à fait, puisque c'est, comme vous disiez, c'est un acte qui est important et qui peut sauver des vies. 22 000 personnes demeurent encore en attente d'un organe. Et bien depuis le 1er janvier 2017, chacun donc devient automatiquement un donneur d'organes. Donc si vous vous y opposez, il faudra maintenant s'inscrire sur un registre national. Madame Lavinia, cadre de santé, nous apporte des précisions sur cette nouveauté. Un reportage de Michel Héraclide. Aujourd'hui, vous parliez du don d'organes, qui est quelque chose de prioritaire, car elle permet de sauver beaucoup de vies. Il y a 22 000 patients qui attendent un don d'organes. Depuis le 1er janvier 2017, pour ne pas être donneur d'organes, il faut vous inscrire sur le registre national. Et votre famille également peut s'opposer lors de votre décès à ce que vous soyez prélevé. Dans ce cas, il faudra qu'il argumente sur un courrier les raisons de son opposition. Néanmoins,
Je vous rappelle que ce don, quel qu'il soit, peut sauver une vie. Il est donc très important au niveau de la santé, également au niveau économique. Une personne dialysée aura une meilleure qualité de vie une fois qu'elle sera greffée. En Guadeloupe, on pratique beaucoup le don de rein. C'est la seule chose que nous prélevons. Nous n'avons pas malheureusement de banque de tissu mou. Nous ne faisons pas de prélèvement de rétine, mais tout ce qui peut être recensé en don d'organes est utile pour la santé de tout le monde. Et toujours dans l'actualité, le docteur Rancy est de passage en Guadeloupe. Cette chercheuse en microbiologie et immunologie venue du Québec était accueillie par les étudiants de l'URMA dans le cadre du projet Mobilité, parcours professionnel recherche sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons donc rencontré cette chercheuse qui est originaire de la Guadeloupe et qui a donc pris plaisir à partager ses expériences. Un reportage de Ludwig Benito et Michel Héraclide. Je suis venue à l'URMA, c'est Madame Gernidier qui travaille ici et qui m'a demandé de venir présenter un petit peu certaines choses aux étudiants d'ici. Donc faire un peu la promotion de mon cursus, montrer un peu un cursus plus ou moins atypique, leur montrer qu'il est possible d'aller en fait à l'étranger et puis de poursuivre ses objectifs, de poursuivre ses rêves en fait, et puis d'aller au Québec ou de continuer jusqu'au plus loin où ils peuvent. Donc, je suis venue aujourd'hui pour leur parler un peu de mon cursus en collaboration avec Madame Tambi qui est prof d'anglais. Donc, je leur ai fait un peu une petite présentation en anglais très interactive. Ils avaient beaucoup de questions sur le Québec, comment immigrer au Québec, etc. Pour leur formation notamment, en coiffure, toutes sortes de formations, commerce, etc. Puis ensuite, tout à l'heure, je ferai une présentation sur mon domaine d'expertise qui est le virus du sida. Pour moi, c'est important de sensibiliser en fait la population parce que les gens ont tendance à croire que le VIH a disparu, qu'on guérit du VIH, alors que c'est totalement faux. C'est une infection qui est présente, qui est toujours très dangereuse et c'est important de garder les gens sensibilisés à ça. Nous sommes à l'URMA aujourd'hui dans le cadre d'un projet pédagogique intitulé Mobilité, parcours professionnel et recherche sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. Donc c'est dans ce cadre que nous avons invité le docteur Rancy pour aussi montrer aux jeunes qu'une Guadeloupéenne qui a commencé ses études ici en Guadeloupe et qui a pu ensuite les poursuivre au Québec, elle peut revenir pour donner l'information, pour montrer ce qu'elle a appris et pour susciter en eux l'intérêt d'apporter, d'aller chercher le savoir ailleurs et d'en faire profiter la jeunesse guadeloupéenne. Donc aujourd'hui, on a eu la visite d'un docteur nantaise. Elle sort du Québec. Elle est venue nous raconter son expérience au Québec, les études qu'elle a faites, les formations qu'elle a poursuivies. Et elle nous présente tout en français, en anglais. Je préfère découvrir avant pour voir si je suis vraiment sûre de vouloir m'engager dans notre pays, apprendre autre chose, faire dans le commerce toujours. Ça paraît très intéressant et ça attire la curiosité, quoi. Parlons sport maintenant. Le comité régional de cyclisme Guadeloupe va élire son nouveau président. Trois listes sont en lice pour l'élection du 15 janvier prochain. Parmi les têtes de liste, Frédéric Théobald, que nous avons interrogé sur ses ambitions donc à la présidence du comité. Un reportage de Nicolas Hachi. Chère présidente, président de club, c'est à vous que je m'adresse pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Plein de santé et bien sûr réussite sportive dans vos clubs respectifs. Pourquoi je veux être président? Je veux être président pour la Guadeloupe, avec une équipe motivée, mobilisée pour le grand développement du cyclisme, hommes et femmes, sur l'archipel, la Guadeloupe. Je serai le président qui sera au service des cyclistes et du cyclisme. Nous allons élaborer un programme d'action cohérent qui va permettre la détection de nouveaux jeunes, mais aussi qui va permettre la formation de cadres techniques, d'entraîneurs, de dirigeants, d'arbitres, des formations pour toutes celles et ceux qui veulent et qui peuvent servir le cyclisme. Nous allons aussi élaborer des événements qui vont éveiller des talents,
mais qui va éveiller l'envie de pratiquer le cyclisme chez les jeunes. Mon programme, il est résolument pragmatique, tourné vers les jeunes, tourné vers les pratiquants, parce que le sport, c'est avant tout les acteurs, c'est eux qui sont sur le vélo, c'est eux qui pratiquent. Je donnerai aussi une grande importance, et ça c'est important, à la médiatisation du sport cyclisme, à ceux qui en parlent, à ceux qui parlent du cyclisme, à ceux qui l'écrivent, mais aussi à ceux qui le montrent à la télé. On le voit tout le temps avec Abattant, sur le Tour. Parce que le sport, c'est la santé, c'est le sport pour tous, c'est le bien-être. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, chère présidente, président de club, de voter pour la liste Changement de Braquet conduite par Frédéric Théobald. Parce que nous sommes persuadés que le changement, c'est notre équipe. Avec vous et avec nous, nous allons construire le cyclisme de demain. Merci de votre écoute. Mmh. Voilà, donc c'était donc Monsieur Théobald, vous avez pu le voir, qui va être candidat. Nous avions déjà interrogé Monsieur Mouéza. Il va manquer donc Monsieur Bouikas, qu'on va entendre très prochainement dans nos éditions. Voilà, c'est le moment de marquer une courte page de publicité, mais restez branchés, on revient dans un court instant. Mais effectivement, il est, vous l'avez dit, Fred Démétrius est là, c'est l'un des fondateurs historiques de Voukoum, mais mis programme là, Idero est sorti. Et je vous l'avais dit, on va consacrer une bonne partie de cette mission, à parler de Voukoum, mais aussi de 50 l'année après songer, mars et mai 67, c'était il y a 50 ans. Alors, Fred, avant même que nous barrons la parole, on va dire bonjour quand même. Oui, bonjour tout le monde. Et bon force, on va faire écouter un petit document. Mmh. 1967. La Guadeloupe porte encore les douloureuses traces du cyclone Inès qui, en septembre 1966, a fait 32 victimes, des milliers de sans-abri, des millions de dégâts, laissant un pays ravagé, exsangue, où tout est à reconstruire. Les tensions politiques et sociales s'amplifient et l'île s'apprête encore à vivre des jours sombres dont elle ne mesure pas l'ampleur. Dès le mois de mars 1967, à Basse-Terre, une sombre affaire de racisme vient mettre le feu aux poudres. Félix Rode, avocat, se souvient du contexte de l'époque. Pour voir la Guadeloupe en 1967, il faut remonter ou à la loi du 19 mars 1946 sur l'érection de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion un département français, et les conséquences ont été d'abord que l'on s'est rendu compte immédiatement, parce que l'autonomie qui avait été voulue par le Parti communiste français, d'ordre du maréchal Staline, j'ai le document. Pourquoi d'ordre du maréchal Staline? Parce que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane allaient dans le sens de la conférence Caraïbe et du projet américano-anglais de faire une confédération Caraïbe. Sur ce se greffe l'incident raciste de Srensky, qui avait organisé avec l'UDR, je crois, ou le RPR, le parti de Gaulle, qui avait organisé la fraude électorale. Et Gerty Archibède, qui avait été élu député, nous sommes en 67, en février, mars 67. Gerty Archibède, qui est élu député dans le continent guadeloupéen, la troisième circonscription, et élu député de Pointe-de-Dé à Trois-Rivières, et on va à Marie-Galante. Les gendarmes prennent les urnes, les trois urnes, ce qu'on avait raté sous Schœlcher. On le réussit en 67, et les gendarmes dans l'avion qui mène de Grandbourg à la préfecture à Basse-Terre, les élections sont bousculées et Madame Baclay, la veuve Baclay, est proclamée députée au lieu et place de Gerty Archibède. Chez Schensky, la discipline est différente. Et si pendant que vous servez une négresse ou un nègre, un blanc ou une blanche arrive, il faut abandonner le nègre et voir le blanc. Et des femmes de gendarmes étaient arrivées, et les deux employés, de vieilles employées de l'établissement,
et qui était en train de servir des indigènes, ne voit pas que deux blancs sont arrivés. Et c'est ce qu'ils ont dit, mais comment? Vous ne voyez pas alors qui est arrivé? Il dit, mais non, mais on est en train de servir, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez rien. Vous êtes renvoyé. Des employés qui étaient là depuis 7-8 ans, renvoyés sur le champ. Et Balzinc avait eu une autorisation de la mairie de recevoir les gens sortant du magasin de Srensky pour clouter leurs chaussures et mettre un talon en fer. Srensky avait demandé de le faire disparaître. Il ne voulait pas voir ce vieux nègre infirme toujours devant son magasin, qui marchait bien. Tout marchait bien, sauf le jour où il est arrivé avec son chien lourd, une bête énorme de 60 kilos, et il a détaché le chien qui était avec lui, qui était un animal très obéissant, et il a dit, va embrasser le nègre. Et le chien a bondi, il a embrassé Balzinc, terrorisé, qui est tombé. On appelle la police. Voilà, c'était donc un petit document, Maître Wade, des faits Maître Wade, qui a raconté ça qui fait de Bastet. Alors, c'est le monde qui passe avec ça, 67 qui a commencé Bastet. Mais oui, en mars. Et puis c'est pour ça que. Et en mars, moi déjà fait, hein, ouais. T'es tout petit, en tout cas, était la coule au Vernier, ouais. En tout cas, elle va dans la coule, Carmel, ouais. C'est limite vers Emilio Martini. L'on voit la poste Bastet. Pas évoqué mon goût à Martini. Ou pas dit ça. Il y a un couloir qui a fait 90 cm de large. En tenant ouais. Mabono, et c'était à Milouance. Il a fait 120 kg. Pour y'a tiré là, l'on voit, il mort. Ben, il faut y'a organisé yo, pour y'a mettre à Casa les Glodes à côté. Donc, tout ces mounassa, les Bernard, la famille Rod, tout ça. Enfin, voilà, en partie loin. Et puis c'est là, c'est Adam Lacour à Emilio qu'on y rassemblement à Legong. On y tout ça. Donc en pâté, on fait au vent défenseur de qui que ce soit, hein, t'es ton petit monde. Mais n'empêche, là on voit qu'on a grandi, on attend tout ça, on a dit mais oui, mais en pâté pile loin de tous ces événements-là, d'autant plus que l'encarité, la coule au Vernier. C'est Carmel, c'est à 100 mètres du tribunal, c'est à 100 mètres de là, quand il est là, il met tes statues à mettre Archimède, d'accord? C'est où on point à les conseils généraux, c'est vraiment... C'est pas loin de l'école à Lauriette aussi. Mais oui, la rue des camps, oui. La rue des camps, oui. Madame Monde est lycée là, oui. C'est là défilé à lycée Capati, lycée Jérôme Grèche, c'est le jeudi après-midi l'école à Lauriette, d'accord? C'est là qu'il y a venu récupérer garçon à Lauriette, parce que il croit que comme ils sont Lauriette, ils peuvent faire l'armée, donc avant même, il dit, est-ce qu'il y a vigne, Jacques a vigne récupéré. Donc, vous pouvez imaginer, donc, tout petit, on a des images qui sont incroyables. Et ça veut dire que là, on va attendre Maître de Palais. C'est quand même, et encore arrêté Bastet, à Dago Monna, il y a quoi qui est Larry Dissab, oui, Maurice Marie-Claire, ben, Wad, dis-moi plus haut. Voilà. Bizarrement, donc voilà, et ça a toujours émouvant d'étendre un grand homme comme Félix Wad. Encore penser quand l'homme, on a Guadeloupe, on n'a jamais connu M. Témo un jour. C'est ça, là où c'est moi, je dis, oh, c'est moi alors, je comprends, pas de gars, moi, Félix Le Chao. Mais non, ça n'est pas possible. Ouais. Donc voilà, c'était en gros pour te dire que les événements, le 20 mars 67, c'était un grand jour, mais nous étions tous et aussi là, les grands frères, les grands sœurs, qui comprennent tout le problème là. Et les mamans qui ont dit oh, attention, pas sorti, je sais, il ne faut pas sortir. C'était le principe même ouais. De ne pas faire Timounayo participer à rien qui était fait. C'est ça qui ban nous tout un passé qui cachait d'ailleurs, jusqu'à les événements des tirailleurs sénégalais, jusqu'à tout en l'obitait, puisque l'ouvre-vous coup même qu'a créé masse tirailleurs Sénégal, nous qui avons vu ça en notre moment, et ben les anciens combattants qui ont fait des mots maqués s'il faut sortir, et qui a dit pour qui bitin, vous coum qui a levé ça. Son butin qui a été voulu, qui n'a pas parlé de ça. Donc c'est pour ça que nous Kenya a parlé de tirailleurs aussi. Mais n'empêche, les événements de 67, ils nous partaient peu passer à côté, qui dès commémorer, voire songer 50 années après qu'a été ni un grand événement Bastet avant tout. Alors, question à TV posée, que j'ai posé ici, qui j'ai vous comme fait? Pour qui butin vous comme fait? Alors vous comme qu'a fait, non pas pour faire carnaval. Et qu'a fait, c'est pour déjà faire un toto bloc pour Bastet. Nous avons constaté que ça, il a proposé nous, très bien, culturellement.
Mais nous, c'est des noms à 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont dit, mais attends, mais nous avons participé à dans différentes associations, mais pas moins qu'ils ont allé. Alors, tous les responsables des différentes associations, surtout qui, quand même, on approche vers les jeunes Badibou, dont les Houblons, les Torrents, ou quoi, ni tout en bonne comme ça, Domota, tous ces mouns-là, ça, et moi-même qui sont au Carmel, moi, dans l'organisation, a toujours été créé masse, garder qui masse, qui j'en masque à fait. Donc moi envie bas masse là en autre dimension qui part et on y en rapport à les Maurice Lirel, on y Jacques Torrent, on y Fred Krum qui sait on met à la pensée même qui calme qui a dit bon nous réfléchis on y Harry Houblon, on y quoi Don Bourigo, on y toutes ces mondes ça on y enfin des mondes qui vaillants et qui ont vu rencontrer yo. Et puis nous avons démarré, nous avons fait un mouvement quand même pour le carnaval, on l'en est avant, un mouvement qui est filage. Nous avons fait un affaire à Massacone et nous avons préparé ça au Racing Club, puisqu'on était au Racing à l'époque, et nous avons fait un vin, fait con en résine, mais con en... et nous avons parlé de en qui gens que nous peut échapper à un problème là qui a été nous là. Et nous avons fait bœuf chapé. À qui a fait 10 ans, 9 ans à qui j'ai démarré, et j'ai vu un vendredi pichon. Donc nous avons regardé à qui nous avons dit ah bon, ouais, d'accord. Mais nous avons pensé aussi descendre à la rue là. Mais nous n'avons pas pensé descendre avec tambour à des bondas. Hein. Nous avons pensé déjà venir avec tambour gros si ou en nous, tambouka. Et nous avons mis 40, 50 tambours. Parce que Gérard Néopla, c'est un bouc qui est un précurseur aussi de musique et évolutif, mais en même temps des masses à Gossiro. Mais qui Jean Larry là aussi. Et à Pali qui premier, hein, à Moun qui a parlé de Gossiro. Gossiro, ça a existé, ça a fait non. C'est au rapport à Moun Capeste, Moun Basté, Moun Habitant, Moun Dominique qui a vu à la rencontre de tout ça. Donc nous avons tout en richesse en main à nous. Et en même temps, quartier en nous, nous avons regardé quartier Badibou, qui c'est l'un des côtés qu'on peut mettre un mouvement comme ça en place. À qui j'ai vu faire le forcing, nous avons dit bravo. Ça c'est mi nous. Nous avons commencé mi nous. Mais nous besoin être nous. Pas nous à qui hein. Mais nous, Basté. Ouais. Parce que nous avons des événements qui arrivent nous. À qui pas comme exemple, ça quand le groupe Apo Jacques a fait, quand il est là, bien démarré, nous pas faire ça Basté. Ouais. Parce que nous avons considéré que nous n'y avons culture, nous n'y avons tradition coutumière. Donc les coutumes, ce n'est pas de descendre dans la rue et de envoyer Flessirado pour dire nous allons baigner. Tradition coutumière en nous, c'est de aïe Bodlamé le minuit, le 31 décembre, voire au 1er janvier. Ouais. Tout ou ni comme maman offert, ouais. Avec famille, ou papa, maman, tati, grand-maman, frère, non pas avec d'autres monde. En l'embouchie là. En l'embouchie arrivé là, puisque nous ni galions, nous ni en même temps. puisque vous savez bien, l'eau vraie, ou ni on sait quoi qu'ils ont épine en pied, on sait quoi qu'ils ont ces autres, ils ont poussé. Mais il y a côté pour vous, est-ce qu'il y a trouvé un roche galette qui est perforé par l'érosion, eh bien, on peut prendre un roche là, ça, et on peut poncer en bas de la terre pied, à la montée de la ligne. Ouais. C'est pour force. C'est redescendre. Donc, ouais, donc c'est entre de l'eau rivière, de l'eau salée. C'est pas pour rien, nous ni chance là ça, de ni l'Atlantique qui a boué au phare au Vieux-Fort et la mer des Caraïbes qui a boué au Vieux-Fort. Voilà un côté qu'il faut moun rendre compte que c'est une richesse à pays là. Donc toute dimension là, ça, là, à dans nous, et nous sommes une basse nous et c'est ça qui est richesse à la Guadeloupe d'ailleurs. De ni un côté, on des grands pôles, et encore moins, si on dit des grands pôles, ça veut dire on pas respecter Moule, on pas respecter Saint-Trois. On parle respecter Marie Galante. On parle respecter Marie Galante. Les sept Guadeloupe qui là, qui est propre et vie à yo. Et c'est pour ça que nous avons dit non, faut nous faire vous coum. Et faut nous ajouter à richesse en nous. Gossiro là. Et là, vous voyez, nous commençons à parler, mais nous ne pouvons pas parler de Gossiro avant tout. Nous avons parler de gros cas, de mettre en Toto Blanc en Basté, faire Rivière des Pères, les grands quartiers chauds, faire Badibou, monter Carmel Pitié à Pitié Veille. Et voilà, et nous démarrer. Et nous avons fait une manifestation. On l'en est après, ouais. Vous coum. Et nous là. Ah ben, vous coum, c'est en qui Jean vous coum, Gavin. Nous besoin font des ordres. Nous besoin font Toto Blanc, premier bitin. Ouais. Nous besoin font des ordres après. On des ordres pour mettre l'ordre qu'il tire à dans ça qui ne pas rappeler nous. Donc c'est là regarder puisque là vous ouvrez madame la cour étant des autres les soirs et qu'a dit un tel qu'a dit voisin un tel entendant celle vous combien soir qu'a ça t'est la différence elles vont vous tac qui sont parapluies qui ont ouvert on étita par exemple tout ça pour dire nous voyons dans la logique en nous nous t'es voulu faire des ordres et on vous coume c'est ça et
Et dans nous, nous avons discuté entre nous, et nous avons beaucoup de Fred Koum ou bien Kéo qui a dit nous avons fait beaucoup de la rue là, et on a tout crié, oh, mais pourquoi nous avons cherché d'autres noms? En nous, ben nous, beaucoup. Mais Adam toujours, non pas, et ça, ça veut dire ça, ça veut dire. Ça veut dire que Vukoum, tout ça Vukoum qu'a fait dorénavant, il faut qu'il y ait un sens. Tout bitin qui écrit dans le programme à nous, toute masse qu'elle nous fait, toute manifestation qu'elle nous organise, il faut nous réfléchir, il faut nous garder, pour y rejoindre les traditions coutumières, pas les traditions religieuses, puisque vie en nous conditionnée culturellement dans les traditions religieuses. La preuve, carnaval sont fêtes païennes, endoctrinées par le catholicisme. Donc, le catholicisme portait mon œuvre tout partout, vous voyez des séminaristes, le christianisme, si vous voulez. Et en même temps, nous, nous nions les traditions coutumières. La preuve, l'un des rares Lilettes, le grand Lilette qui a gardé les traditions coutumières, qui a démontré lui, c'est les Kanaks. Ouais. D'accord. Alors nous, nous avons oublié que nous devons baser nous sur les traditions coutumières. Et c'est ça qui a fait que nous avons dit attention. Ni carnaval aussi, puisque c'est le premier mouvement qui a fait dans l'année là. Parce que nous nions deux saisons à deux pays en nous. C'est Carême et l'hivernage. L'épiphanie, encore une fois, toujours, nous toujours basés à partir des religions, mais son période qui c'est pour trouver des repères. Jusqu'à le 24 juin qui s'est fait à la Saint-Jean. Et après, nous avons basculé sur l'hivernage. Mais chaque Ouméouni, ces premières saisons-là, coupées en deux. Période à carnaval, période à Pâques, deux saisons, deux. Nous avons basculé en l'hivernage, période à vacances et période à Noël. Et nous dit, nous, par contre, nous pouvons faire Noël. Nous ne pouvons pas fêter Noël à Vukoum. C'est ça nous dit hein, à l'époque. Peut-être après ça peut changer. Ouais. Mais nous dit, nous laisser chaque monde faire Noël à eux pour nous pas ni le sentiment de nous-mêmes, d'aliéner nous à Dombitin, que pour nous ne pas d'accord, etc. Fred Dimitri, je sens direct dans cette celle-là, nous avons un petit campo à ces publicités-là, nous avons trouvé nous, MMND pour développer la reste de la nouvelle-là, et nous avons trouvé tout à l'heure. 13h11 dans le ZCL, je vous l'ai dit, c'est un spécial de Bastet, Cisoponi, mi-programme là. Et nous sommes avec donc Fred Demetrius qui a commencé à nous raconter un petit peu l'histoire de Vukoum. Et puis tout à l'heure, nous allons entrer dans le vif du sujet, puisque nous avons parlé des 50 années après, songez mars et puis mai 67. Mais avant, on revient à l'actualité et c'est un rappel des titres avec Mandy. Et oui, je vous le disais, on l'a déjà vu, le don d'organes est un acte qui peut sauver des vies depuis le 1er janvier 2017. Si vous ne souhaitez pas être donneur, il faudra s'inscrire sur le registre national, autrement vous le serez automatiquement. Et également, nous l'avons vu, le docteur Doris Rancy est revenu en Guadeloupe et s'est rendu à l'URMA de Saint-Claude pour partager son expérience et ses recherches qu'elle mène actuellement donc, sur le VIH au Canada. Et enfin, le 15 janvier prochain, le comité régional de cyclisme Guadeloupe va élire son nouveau président. Trois listes sont en lice, une dirigée par M. Clotaire Bouéquès, que nous avons déjà entendu, M. Frédéric Théobald, que nous avons interrogé, il ne manquera donc que M. Moïsa, nous allons interroger très prochainement. Voilà donc pour les titres. Alors, puisque nous sommes dans le carnaval, on va parler de cette conférence, Mandy. Tout à fait, puisque ça y est, le carnaval c'est parti. Pendant deux mois, la Guadeloupe va vibrer au son donc, des tambours. Donc l'office du carnaval de la Guadeloupe tenait donc sa conférence de presse. C'était ce matin, c'est donc afin de présenter le programme officiel du carnaval 2017 et donc leur projet pour cette année, dont l'élection de la reine et du roi du carnaval de la Guadeloupe. Un reportage de Maxime Morel. Les lignes sont les lignes habituelles, c'est-à-dire c'est les grands défilés, bien entendu. Une grande nouveauté cette année, ça va être l'élection du roi et de la reine du carnaval qui aura lieu aux Abîmes. À part ça, les autres nouveautés sont des nouveautés d'ordre, comment dirais-je, organisationnel ou de le lancement de la marque Carnaval Guadeloupe. Et bon, c'est des choses comme ça, mais voilà les, en gros les grandes lignes. On a un programme qui est alors unitaire, et donc il y aura lieu, et il y a des manifestations qui sont prévues tous les dimanches là, à partir de maintenant, dans l'ensemble des communes de Guadeloupe, donc il y en aura partout, et avec une montée en puissance jusqu'au jour gras, avec de très grandes manifestations sur Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, après qu'il y ait eu les manifestations sur Sainte-Rose, sur Gosier, sur les Abîmes, sur Bémao, etc. Alors c'est plus qu'une volonté d'unité, elle est marquée
marquée depuis la création de l'Office du Carnaval. Donc cette volonté-là se manifeste d'année en année un peu plus. Nous travaillons ensemble, bon, on est parti de loin avec des fédérations qui étaient la plupart du temps concurrentes, qui se marchaient sur les pieds, etc. Je ne dirais pas que c'est complètement fini, mais maintenant elles coopèrent, on retrouve des fédérations qui sont sur les mêmes manifestations, des comités, tous les comités participent au sein de leur fédération sur des manifestations qui ont lieu dans d'autres communes, etc. Donc petit à petit, c'est un travail, les gens, quand ils travaillent ensemble, ils finissent par se connaître et se faire confiance et régler un peu tous les problèmes qui existent. Ben pour moi, président de l'Office du Carnaval, le temps fort, c'est l'élection du roi et de la reine du Carnaval, donc le 18 février au Stade des Abîmes. Ça, c'est une nouveauté. Et il y aura pour la première fois une reine et un roi du Carnaval de la Guadeloupe. Dans l'Ivaillot qui sortit en 700 exemplaires. De retour, et on continue dans la même thématique et on rejoindra également les propos donc avec l'invité du jour, puisque il était notre invité hier, donc monsieur Moutou Sami, c'est bien ça, c'est Jean-Claude Moutou Sami d'Akio. Oui. Et ben oui, donc il nous le disait, donc cette année vraiment les groupes APO vont s'axer sur les événements donc de mai 67 par une véritable commémoration, et justement il se réunissait hier avec l'ensemble des groupes pour préparer donc cette commémoration qui va durer tout au long donc de ce carnaval, avec notamment un symbole, un drapeau qui va se passer de groupe en groupe. Mais découvrez tout de suite le reportage d'Olivier Moradel. Ce sont une initiative qui est proposée par Akio et d'autres groupes Greffeyo. Nous avons 20 de groupes qui viennent Greffeyo. Moi, c'est festif, c'est pour amuser. Mais malgré ça, nous avons trouvé temps pour nous payer, mettons partie, si nous de l'histoire, en partie de l'histoire, mais qui politique aussi, puisque dans la mesure que l'année là ça, quand il fait 50 ans, que mai 67, il a tué moun, et nous pouvons savoir jusqu'à présent combien moun il a tué. Nous faisons un ordre chronologique, au-delà que l'on va nous remettre bandoule là, et tous les dimanches au soir, bandoule là a sorti d'un mouvement qui est dans d'autres mouvements. Donc c'est-à-dire que au soir là, nous commençons vers Radical Mass. Radical Mass qui transmet à Mass en nous, semaine prochaine. Ensuite, Mass en nous qui transmet à Mass à Aubert. Et ensuite, suite, ça qui est tourné jusqu'à le dimanche gras qui est venu tomber à Siakio. Il y a trois banderoles. Et le système à transmission là, c'est qu'elle est responsable à groupe 40 en contact. Nous avons choisi pas que c'était l'entrée à la rue Fribourg, au Tila, qui est quand même ça, qui a une grande masse populaire, parce que l'essentiel de faire échange là, c'est faire échange là, d'où vont peuple Guadeloupe, puis poser la question, en certains moments, qu'est-ce qu'a fait? Comment ça fait-il qu'il y ait des groupes qui peut-être qui n'ont pas véhiculé les mêmes sentiments là, qui n'ont pas véhiculé les mêmes idées là, qui ont trouvé qu'à porter les mêmes banderoles là? C'est parce que c'est en cause guadeloupéen, et que c'est ça que nous d'accord. Nous ne sommes pas assez d'accord à ce fonctionnement à chaque groupe intérieurement, mais nous d'accord à ce le principe que 1067, sans bien que nous devons revendiquer, que tout Guadeloupéen doit être debout d'une seule cause. Nous avons un livre, parce qu'il y a un livre de pétition, et nous demandons tout Guadeloupéen que là, le livre là, ça qui est passé du voyou, fait signer, parce que c'est le de pétition pour nous à la fin des fins que nous donner à mouvement nom, pour que demain nous demandons à l'État français de nous compte combien de monde nous tué et pourquoi tous ces gens qui tué ces gens-là, ils ne sont jamais condamnés et c'est nous qui avons payé le pour ça. Parce que les familles nous ont souffert toujours, n'a pas que de famille qui donne la détresse parce que ne savent pas jusqu'à maintenant qu'elle est arrivée. Nous savons qu'il y a une période là, c'est une période qui était très difficile. Vous ne pouvez pas parler de notre petit gens parce que c'est la peur qui était générée. Mais nous, jeunes Guadeloupéens, nous, jeunes monde, qui même si nous ne sommes pas vivants, nous ne sommes pas faits encore en période là, ça, nous vivons là, nous prenons l'appropriation nous, au niveau de la culture nous, et nous disons ça, faire une bonne réponse à ça. Nous avons un rapport avec la culture et un rapport avec la résistance et lutter contre la répression aussi. Nous avons commencé l'événement là, ça, hein, qui a été pendant toute masse là, et bien après, il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement déboulé, que nous avons déboulé, hein, nous avons des bicaparoles qui sont faites, en cas pensé à des trois locales. Donc, en cas de toute la population déboulé là bien, ils ont fini déboulé, mais vient en bicaparole là aussi pour informer les autres, parce que nous n'avons pas ni l'eau information. C'est ça. C'est que M. Lemoine, qui était à l'époque ministre des colonies, était déclaré 87 morts. Nous avons attendu justification.
Voilà, 13h20 dans le ZCL, nous avons souvent parlé donc Vukum, nous avons parlé de mars 67, nous parlons de origine à Vukum, pour nous parler quand il a de mars 67, mais ben, Vukum, l'an il a ça, quand il fait un programme là, parce qu'un programme là, il y a 6 costumes qu'on chaque année, 24 pages, alors, Kakini pour mars 67 à Bastille. Alors, il faut nous savoir que déjà, nous avons commencé par Décatement Massano, qui c'est demain, samedi, ouais. Et à 8h, nous avons bien dit à 8h, quel monde vient avant, c'est intéressant parce que y a quoi. On va dire 8h, c'est 8h du matin ou 8h du soir? 8h au soir. Ça va dépendre des intonations guadeloupéennes, on va dire 8h. D'accord. 8h au soir. Ouais. Et de façon à y avoir 20 mois avant, y a quoi les fins de préparation, puisque ça aussi, ça fait partie des décatements là. En qui manière nous avons mené à aller, la paysannerie et qui nous a fait rentrer dans un espace urbain. Et c'est ça qui était toujours force à décatement là. C'est des moments où nous avons fait les matins. Ou quand qui arrive à 6h du matin, on ne peut pas passer en plein ville Basté. Ou quand qui voit le paysage là changer. Et bien, c'est à partir des grandes citations, des grands poètes comme Guy Tyrolien, Sonny Ripper, d'accord, Aimé Césaire, Diop. C'est toute dimension là, ça, que nous avons mis en évidence. Et toute partie spirituelle à masse là aussi, puisque nous avons tendance à quoi que l'on voit au café masse, c'est comme ça. Alors qu'il y a toute une préparation, puisque ou pas, ça n'a pas ni rien à voir avec le déguisement, puisque ou quand qui prend une autre dimension, ou quand mot phrasé ou à don masse, en plus, nous n'y tendons à travailler. Nous, vous comme si les ethnies qui font la Guadeloupe, ça y est, jusqu'à jeudi jour. Là, où nous travaillons ici en masse, c'est toujours, c'est nous-mêmes que nous avons à dans des manières. En manière qui bénéfique, en manière qui pas obligé de bon. Donc c'est pour ça que Masla a demandé un accompagnement et décatement là, c'est aussi ça. C'est aussi ça parce que c'est là qu'on voit en évidence musique grossi ou avoukoum, mais les poésies accompagnées vers les musiques groka, d'accord. Et on y toute dimension spirituelle là, à dans dimension à Masla lui-même, on y désatanise là qui a fait chaque masse rentrée, mais chaque masse sortie. D'accord. On y là ça, il faut tous les compartiments et les composantes de décatement là qui fait en l'entour à réalité en nous qui est présent. Donc on y plusieurs parties à les différents décatements qu'elle nous a fait qui est en place. Et merci à l'archipel avec Poumaou qui était voulu absolument ouvrir l'année là avec décatement mars à Vukum, ce qui fait que nous entendons nous pour nous faire décatement là à dans jardin à l'archipel. Et ça c'est on a pensé que c'est un grand moment, puisque pas oublier que espace là, ça c'est un espace au ti là vendredi Pichon fait grand nomaï avec Alex Nabis et toute l'équipe à un moment donné, et puis toutes les grandes manifestations à un moment donné c'est là des cafés Vukum même fait des pour Akabuit à Vukum, c'est Akio, Canida et la bande à Jobi Julienne. Hein. Ouais. D'accord, donc nous t'es qu'à représenter toutes les facettes des traditions entre Saint-Jean, Gros Siro, Goka traditionnel avec Boula Gelaï et Goka évolutif qui c'est la bande à Jobi, Marcel Magna, Antoinette, d'accord, ouais. Volévé. Donc voilà, c'était au départ. Après, au Dédé, c'est pris, vient jouer, mais il faut nous toujours, et que Akabuit là, d'accord, puisque pour Akabuit là, il faut savoir qui j'ai sorti, qui j'ai Gavin Tambou, ouais. Et c'est toute dimension là, ça, et c'est vie à Vukum pratiquement qu'il y a ressenti le voir au décatement. Donc demain, rendez-vous, 8 têtes souhait, dans le jardin à l'archipel, 20 mois avant pour voir les préparations, ouais. Et ça qui est son spectacle qui a duré pendant 2h30. Voilà, donc il ne faut pas venir à la fin, ouais, d'accord, pas. Alors qu'il faut prendre le début pour comprendre qu'il a fin d'ailleurs. Alors, nous avons une question TV pour vous avant de venir à 67 là. Qu'est-ce qui mystique à Masla? Alors, c'est transformation, aïe. Ouais. C'est mot phrasage, aïe. C'est parce que l'œuvre moi masse c'est pas Fred encore, ça c'est masse Fred, ouais. Et c'est pour ça que nous pas créer tout le temps masse. Le lendemain, l'œuvre nous que vient tout à l'heure, nous en képi rouge, puisque nous dans logique, nous en képi rouge, nous en linge camouflage et képi rouge c'était en nous, et nous en Larry Bastet. Outil là nous qui était arrêté devant Swensky, etc. Dans son parenthèse, ouais. Ça c'est en dérision. Ouais. En masse, c'est l'œuvre au transformer. Ou prend dimension à un homme là même, un homme là, existant ça à un moment donné, et vous qui c'est un homme, d'accord, ou acceptez de rentrer en Israël. C'est pour ça que le fameux trans là qui a pénétré Masla, il faut que vous compreniez depuis que vous venez voir des quatre mois là.
inexplicable quand il part, quand inexplicable. Puisque expliquer, il veut dire que nous avons facilité de pénétrer, ou l'ouvre ou Adam, il faut préparer pour entrer Adam. Mais ça n'a rien à voir avec magie, rien à voir, rien à voir. Non, non, non. C'est dimension-là, ça, que ça nous y est. C'est pour ça que l'ouvre nous traiter les masses, l'ouvre nous parler de masses de nudité. Tout le monde en vit, ouais, vous comme Adam, les monde qui mettent des masses tout au nid, véritablement, là, là c'est nous. Ouais. Mais il faut savoir que nous ne pas venir faire semblant. Nous, par exemple, vous que voyez Massaroukou, moun te ka vinn voir qui Jean ou moun, le moun à la ville peut permettre de mettre yo Massaroukou, mais ça pas ni a ya vrai, elle veut une nudité sexuelle, c'est une nudité de c'est son choix qu'on va faire au moment donné. Faut revenir tout uni. Son retour à vous-même, c'est ça. Et oui, et pour faire choix là pour entrer en bas en quelconque carapace. Donc c'est vous choisi. Vous voyez Jean habillé, mais bon matin là pour moun peut poser au lit hein. Mais on te peut venir travailler tout au nid. Hein. Mais comme on a dans la société, ouais. Ou a dans la société là, cadré, on dit non, on doit être habillé moins. Mm. Mais ça philosophique, ça n'a pas qu'à relater physique. Hein. Il peut être en tête à en, et c'est choix là qu'on y a fait là. Voilà cette fameuse nudité que nous avons défendre. C'est pour ça que mettre en Massaroukou, en la rue là, ce n'est pas singer en Caraïbe, c'est bien pour mettre la fameuse liberté là que n'y a pas ni, d'accord, à dans les 3063 hectares indivisibles qui est en Dominique. D'accord. Oui, et que yo ka osé créer territoire sans être territoire, mais à ka penser que nous Kenya a débattu pour voir en qui manière yo peut léguer hein, 1 hectare de terrain sur la zone littorale en Guadeloupe en Martinique et aussi nous que voir avec les Saint-Luciens, nous que voir avec les Moun Dominique, est-ce que yo peut laisser 1 hectare de terre sur la zone littorale pour que yo vienne propriétaire à nouveau et pour yo pas obliger ça qui empêcher que yo obligé yo ni un visa pour yo circuler dans propre pays à yo. Alors, en nous venant ainsi délicatement à 50e anniversaire à l'événement 67, alors il n'y a pas de Tibaste. Alors, nous dit hier vers ma sami Jean-Claude que nous avons un grand lionnage qui fait avec tous les groupes à pour vous citer, vous commandez, mais par Tibaste. Alors, il faut savoir que tout programme en nous, c'est ça que nous avons dit à les frères Akio et les autres groupes, c'est que tout programme en nous, voir tout ça nous y a fait en l'année là, il est basé sur ça. Le programme là que nous y a là, il est basé. Tout, chaque fois nous sortis, ils pensaient par rapport à les 50 l'année. Donc ça veut dire que nous mettons, comme dans les dernières réunions, nous pas participé à dans les dernières réunions, parce qu'il y a fait les soirs, nous avons expliqué ça, frère Akio, nous toujours tenu des répétitions, les gens qui étaient censés venir dans les réunions, ils étaient débités à faire. Donc ça pas gêné nous et empêché nous de dire. Tel jour, nous qu'elle essaye pour ce collectif-là. Et ça, nous n'y tant dit, voilà, nous qu'a fait. Et encore, ça peut-être qu'il a arrangé tout le monde, nous qu'elle j'avoue programmation à tous les autres groupes à peau, comme ça, nous payons ni à fait en nous, jour là, en autre café là. Donc, nous qu'elle essaye, et nous qu'elle aille dans logique à démarche à Mayout et Jean-Claude, qui t'a expliqué ça, qu'une union joue ou une union porteur de drapeau, ou les drapeaux qu'a vienne symboliser, etc. Voilà, nous qu'elle nous associer à Adam. Seulement, nous avons une méthode de travail que nous avons fait tout au long de l'année et ce n'est pas parce que c'est carnaval que nous avons défait. Donc, mais les frères, j'ai au courant, nous avons joué nous tous ces jours-là. Ça. Alors, il y a un point qu'il faut nous voir quand même, où j'ai parlé de ça, si pour, mais il faut nous parler d'eux, si pour même les tigres sénégalais, parce que vous savez, il faut distribuer à Jean Yé, il pas laissé un bon souvenir en Guadeloupe pour le monde. Il y a le monde qui vit ça mal, qui fait que le Guadeloupéen ni des fois des attitudes négatives à vide africain par rapport à ça. Alors, est-ce que les autres, on voit vous comme qui j'en sont essayé de tout ça? Alors, là, vous nous avons créé Mastiraïe Sénégal, ouais. C'était encore pour te poser problème à nous-mêmes, qui oui. Y a rapporté si vous. Est-ce que nous pouvons continuer à crier nous tellement nous avons oublié? Si encore, ouais. C'était vrai. Mm-hmm. On nous a pensé que, oh, mais ça belle, nous avons sorti des noix, nous avons vu une blé, nous avons vu notre couleur, ça belle. Mais nous n'y tendance à ne pas dire nous que nous sommes tellement nous au blé, parce que nous croyons que l'eau ou que vin blé ou qu'il y a encore plus l'aide qui j'en ai noué. Et ça, c'est ça qui travaille à vous, le fait de créer en masse. Et c'est pour, mais les tireurs sénégalais, ça bien belle de dire qu'ils ont laissé en mauvaise image d'après la population. Oui. Mais en attendant, l'eau ou Alexandre qui était écrit en belle facilité.
circule en livre, sur les événements qui fait en Guyane, la Cri Clocfa, d'accord, à Cayenne, à l'époque où les tirailleurs aussi étaient fait en sorte qu'elle ait un grand laguet. Mais c'était ni même laguet là, ouais. Et en Bafey, le Rotecaille Fort-de-France, Bocanal, le Rotecaille Badibou, le Rotecaille Carénage, dans les grands quartiers populaires, où tu es ni même laguet là seulement. Seulement, par, mais ça nous pas dit, c'est que nous pas jamais accepté non plus qu'on nègre à l'époque là ça, tenions en lège, d'accord, à l'armée, et qui a vint commander nous, c'était, et qui a commandé nous d'aller dormir à 10 heures, pas laisser pompe trouver à 10 heures. Donc là, on va nous bouer vers la journée. Il y a une confrontation entre nous qui a sorti nous plus blanc qu'il y a, puisque nous en bas, on tutelle, nous en bas, tout un mode de vie, nous a sorti nous plus belle qu'il y a. Et comme il y a des gros lèvres, comme, d'après nous, hein, nous toujours qu'à voir nous, mais nous pouvons comprendre que chaque monde, ni manière, ni beauté aille, parce que bon, beauté là, il y a quoi définir au lit à partir des religions, il y a quoi dire le Christ de nos cheveux, le nez pointu, le nez, d'accord, la bouche, les lèvres, pas de lève du tout, et chaque fois on nous lève un petit bon épée, ben quand on voit tout le monde qui a essayé aussi le vaillot, ça veut dire que en fait c'est dans le temps, et merci que tant là ça révolue, merci tant là ça passé, et qui a permis à Timoun en nous d'aller mieux l'école, les Timoun qui n'ont pas plus foncé, d'accord, qui a mieux l'école, avait une belle fierté parce que nous évoluer, nous grandir, nous comprendre que Kaïta ça te veut dire la beauté, ça disparaître. Et mais il pas pareil à disparaître, mais faut nous continuer. Et il y a accepté l'autre. Et il faut continuer à accepter toute couleur à monde qui est en Guadeloupe. Non pas nègre là, plus qui blanc là, qui d'accord, il faut nous accepter, puisque nous accepter, nous c'est les mounes qu'on nous. Seulement, il faut tout le monde respecter. Yo. Donc, Mastira et Sénégal, c'est un peu pour défier nous-mêmes, pour dire nous tellement on nous a oublié. Alors, nous mettons à notre tiraille là, où que vrai, que ou ni linge à la, ou ni la chotte là, ou ni gros dio là, couleur nous, tout pour nous des rois iblés. Mais à notre tête, nous avons la chéchia. La chéchia, c'est quoi flac que les tirailleurs ont capoté. Donc, on voit le bonnet rouge là. Et nous mettons le figuier maudit en disant à la chéchia là, en disant à la tête à nous, pour démontrer nous que est-ce que finalement, ça nous carillonne l'air de crier la maudition. Est-ce que nous pas maudits de Nipola ça? C'est tout un choc que nous devons créer, tellement que les anciens combattants réagit et il fait des articles à l'époque. Il dit mais pourquoi vous coumez à élever problème là ça, puisque famille en nous qu'on dit Mayout a dans un reportage à les frères Akio, il a toujours été voulu cacher toute réalité en nous. Voilà pour qui raison. C'est pour ça en tout cas quand même profiter de entrer à Canal 10 pour en dire que l'année passée t'as un livre qui sorti que l'office d'accord du carnaval fait sorti et pas jamais voyé en lettre d'excuse à Voukoum, parce que yoni un photographe qui fait photo à Voukoum, à Tiraillé Sénégal, et qui mettait photo là ça, à dans fascicule là, et qui yon mettait comme titre, d'accord, Schtroumpf partout. Donc, nous demandons simplement que ces mouns là ça, que yon respectent nous, respectent le travail en nous, respectent des années de recherche, de validation par des historiens aussi, et que yon vienne vrai nous, nous péquer, nous la guerre quand même, mais nous qui comprendre nous, parce que ça a parti tout partout, yon qui est fier de distribuer, ouais. Fascicule là ça tout partout, et voilà, que yon tranquillement qu'à accepter ça. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter ça culturellement. Nous, j'ai fait ça qu'il faut pour que, nous, à un moment donné, yon peut répondre, parce que nous voulons qu'ils répondent entre nous, déjà entre nous, et nous voyons qu'ils nous ont fait. Si nous pouvons faire sortir en notre document, pas savre, mais que ils n'ont pas rendre travail en nous comme ça. Et c'est pour ça que nous pas rentrer en carnaval. Hein. Nous, voilà problème à existence à Voukoum. Nous pas venir en carnaval oui. Pour nous faire ça qui déjà existait. Le carnaval seulement satirique, oui. Nous venons aussi pour nous mettre la réalité, et pour nous, même si nous prenons plaisir à mettre, mais nous mettons quand même. C'est justement une question qu'il faut poser là, en cas de Liba ou un petit extrait, un éditorial, un journal noir, carnaval arrivé qui sorti. Il a dit, il faut leur dire aussi, notre carnaval est l'un des plus beaux du monde. C'est un vrai constat de voir qu'on nous avons fait après avoir vu ceux du Brésil, du Barba, de Notting, etc. Il n'y a pas un qui soit aussi diversifié en costume, en rythme, en instrument de musique. Alors, ça, question qu'on a posé là, c'est la différence qu'il y a entre groupe Apollo qui prend un ballon en Guadeloupe, quand il est là, et ça, il y a quoi qu'on avait la paillette.
en persuadé que nous l'ouvre nous créer vous comme nous créons choc déjà basté. Nous dit nous voulez pas faire nous pas faire un mouvement sur à carnaval là nous pas faire bébel. Tout président à groupe basté il va rager. Il était mal en poids. Mais nous dit yo pas de panique les gars. Nous pas faire bébel. Bébel c'est pas parce que on est paillette. Bébel c'est pas parce que on est les gens satin. Bébel c'est là où on va faire bêter ça va ni bon sens. Et c'était ça pour te comprendre. Il y a pas si bon temps pour te comprendre ça, mais nous démontrer ça, puisque après, nous faisons un collectif des groupes et nous t'es dedans, c'est-à-dire tous les groupes, quel que soit obédience à yo, nous faisons travail sur l'animation du Fort d'Elgrès que le Conseil Général demande de nous. Et que projet là, ça n'a pas jamais abouti, puisque je crois que demander à les associations Basté, c'était de animer le Fort de Grèce. Je comprends que j'étais venu faire un route en bout, à la une fête taille. Mais nous, c'est des grands hommes qui ont pensé la culture aussi à Basté, en région Basté. Donc nous disons, nous, quand ils font un travail en commun, la preuve, n'y a pas la guélotte, nous fait 22 réunions à dont on l'en est pour nous prendre un programme. Le programme, ça va apparaître, mais de temps en temps, nous avons des petits bidins qui apparaissent. Nous avons senti qu'il y a pioché à dents. Tant mieux, mais vaut mieux que nous démontrer quand même à Moun que nous ça travaille ensemble. Donc la paillette non en période de carnaval nous et nous content nous vous comme là nous caï baigner le mardi gras puisque nous toujours une masse toutouni en majorité nous caï baigner rivière sans ou bien galion et là nous caï ouvine son plaisir en nous de voir ces groupes là et d'apprécier travail à yo parce que nous caï descendre sans inverse à mardi gras tout à fait pour nous rentrer à casa nous badibou et c'est pas majeur nous caï prendre dernière pause publicité et nous caï retrouver nous pour nous bouter vers et vers journal là déjà exactement 13h36 une heure et demie petit moins passé publicité. Voilà, 13h40, mois donc, troisième et dernier décatement à Voukoum, dans cette celle-là. Nous avons parlé dans l'eau de Voukoum de mai 67, de mars 67, de décatement à Masla, de origine à Voukoum. De temps en temps, nous avons fait un petit coup de nouvelle, et c'est ça que nous avons fait là, justement, vers Mendy. Mendy, Galette Dewa, en passant, c'est très Voukoum, mais enfin, il a fait quand même. Hein. Oui, effectivement, en ce début donc, du mois de janvier, la Galette Dewa se déguste aujourd'hui à toutes les saveurs. Aujourd'hui. Depuis dimanche passé, depuis le 1er janvier. On va manger galette. On monte demain, dimanche, on monte dimanche. Bon, bref. Non, goyave, coco, pomme, mais nous, donc on s'est intéressé à la classique, la frangipane, avec donc le pâtissier Philippe Adon qui nous donc livre les secrets de la réalisation de cette galette. Un reportage de Michel Héraclide. Non, je crois que le reportage n'est pas encore tout à fait prêt, nous dit-on en technique, mais on va revenir avec Voukoum, puisque nous pourrons définir de parler des tout bitins. Voukoum, nous avons un deuxième bitin, en posant une question assez originale à Voukoum, assez mystique à Voukoum, mais nous avons un bitin aussi, où j'ai parlé d'elle, mais nous avons le monde qui peut-être pas savent ça, musique là. Tambour à Voukoum, la musique là, nous quoi jouer là, c'est pas Gouka. Alors, Mounga dit 17 crypto en Gouka, est-ce qu'il y a une 8e là Nous peut considérer que c'est, nous ne veut pas mettre Gossiro qui a joué ce tambour là dans les 8e, nous, 8e rythme. Mais on l'a y est. Est-ce qu'il y a déjà classé Mayolé? Mayolé là. Est-ce qu'il y a déjà classé? Quoi? Il casse un petit bidin. En demandant ça, je serai Gabali. Ça a fait plus de 30 ans. À quand t'as nos réponses. Vous quoi suivre ouais. Donc les gens qui écoutent moins, bonjour, viens voir mon réponse là. Gossiro là. Mais Gossiro là, parce qu'il jouait ce tambour, il n'a pas même nous qui jouer. Ouais. C'est un rythme qui jouait à partir de sensations à un moment donné à dans mon à six régions Basté. Et le fait qu'il y ait une évolution, en qui j'ai une évolution, s'il faut rester dans la théorie, ouais. Eh bien, pour nous aussi, on a apport à Moun Dominique. Tout à fait. Parce que toute littoral à Basté, depuis Capesté à Bouillante. Mais dis-moi même juste en Amérique latine. Hein. Mais non, mais en fait, pourquoi tu as une musique à vous comme Gossiro? Quand on parle musical, vous quand on négocie si là, ou quand débarqué à Goré, ou ni tout monde qui a vu na ou s'ouvre ou ben y a joué négocie ou, d'accord, ou que dit ou bayon non, ou ni des d'autres sonorités qu'on mettait à danse en Guadeloupe, puisque on est en l'eau à port. Et à part là, ça il faut bon monde saisi que il a évolué, il a développé, mais bazaï là, parce mais que c'est vous-même qui développez quand même, qui portait, nouveau. Non, non. C'est déjà qui existait avant ça. Déjà existait non. Oui, mais qui portait? On va attendre pour dire ça aussi avant vous comment?
Oui, parce que nous osons mettre ici un CD, mais oui. La bonne avant vous, koum, on y a toute masse carmel, masse capesté, on y a masse à nez au plat, qui fait évoluer son là en gens. Elle veut beau zambo, elle veut des mouns qu'on obéit yéyé, elle veut obéir mes indis. On y a tous ces mouns là ça qui travaillent, mais on y a ces bouc capesté là. D'accord? On y franc, on y a tous ces bouc capesté là qui sont négociés à un moment donné. On y moun goubert qui sonne négocié tout bonnement avec massa fouette ayo yo tenyo massa fouette qui ont 1 mètre seulement de long. Ouais. D'accord, c'est des apports que otini nous te dit chance là ça de ni des problèmes de maraîcher à un moment donné qui peut-être pas en chance mais qui permettent nous de ni arriver à d'autres monde qui contribuer à dans littoral à région Basse-Terre. C'est pour ça qu'on a trouvé si Capesté à route là en casa pas pour moi à Brest Capesté après marché là on va joindre des des familles moun qui issus origine moun Dominique et ont fait les derniers matelas traditionnels. Ils ont fait ça toujours. On passe à ni ouzo et ouzo. Mais oui. Tu as oublié ça? Mais absolument. Ni ouzo et ouzo. Absolument. Et à bon hasard. À bon hasard. Donc c'est pour comprendre que mi gosio là il évolue avec toutes ces mounes ça et vous comme bénéficiez au contraire. Mais alors est-ce qu'il faut faire rentrer dans le patrimoine à Gouka là ou pas? Ou mettez à côté? Il ne faut pas faire rentrer spécialement à dans patrimoine là, parce qu'il faut à un moment donné tout le monde là organisé, mais il faut nous créer un patrimoine masse pour que ces gens-là puissent venir placer. Pour que même la musique à cette masse là au moule, d'accord, peut rentrer dedans. Et vieux fort. Mais lui, caribéen, lui. Parce que là, on a Saint-Vincent, on peut trouver Saint-Vincent, on peut trouver Saint-Thomas, on peut trouver Curaçao. Ouais. D'accord. Dans la période de recherche, en moi-même, en tant qu'à faire à l'époque, avant, nous étions rentrés dans le domaine de la masse là, là, on a décidé de voir M. Michino Urbain, qui c'est et en voyant bonjour à Madame Aïe et à tout Simounaï, eh bien, qui était en maître à masse Vieux-Fort. Mais en bout, elle avait été de 70 ans. Entre 70 et 75 ans. Imaginez le temps qui passait. Bougla déjà a dit moins, mais Benissa, même musique là qui a joué dans d'autres pays caribes. Donc nous toujours nous tendance à croire que c'est nous qui créons, nous qui faisons, mais il faut nous continuer à chercher. À quel profiter pour dire que ces gros sirops là nous font un travail incroyable. Oui. Entre faire sortir pendant un an vers la bonne à Tipier, d'accord, c'est rien. On l'en est si tambour. Kala, et pour nous te transférer si tu envoies des mandalas pour nous te permettre nous d'aller jouer musique gosiola avec en vitesse avec un paquet moun qu'on les Massa Saint-Jean déjà a joué pour nous te mener musique là à dans les itinéraires qui pas des itinéraires type les moun qui handicapé les moun qui peut pas sortir musicothérapie et ça c'est important. Donc dernier voilà, vidéo là en TV Mandéo faut nous dire absolument c'est accident. Alors accident. Maîtresse Amonyok. Oui. Accident. Vina Vukoum, c'est Tipier aussi qui t'a mené en Vukoum. Et il dit Mila, à pas sorti là encore. Entendons sonorité, à musique, on veut pas sorti là encore. Mis en Adam élément moins. Voilà, nous madame qui a fait les 400 coups. Qui j'a passé, qui j'a voyagé, qui j'a fait, j'a lagué Chambellet, avec Tambouka, avec tout le monde. Et là, vrai, il y a un gros cala en Vukoum. La manière de aborder gros cala. Mode de vie à mon Vukoum, manière qui a été débarqué en Vukoum, j'ai été souvré. Eh bien, il dit qu'il ne fait pas sortir là encore. C'est pour ça que nous faisons un long parcours réveil. Et nous avons décidé de faire un CD. Nous pas les c'est pas nous qui produisons. C'est pour ça que nous avons demandé nous CD accident. Ni un producteur qui c'est Joab. Eh bien, nous ne voulons pas te manier responsabilité à ça. Parce que l'accident est ni 11 timons. Nous avons estimé que yo Kenny en charge de Vin, de les royalties Axi. Mais non, ça ne peut pas empêcher nous que chaque année, nous avons fait on manœuvre Baxi, l'année là, ça c'est 10 l'année. Qu'il non, mais nous plutôt qu'à fêter, au jour là, qu'il fête là, jour à fêter, et qu'on si c'était Robert Nesta, Bob Marley, donc nous voulons qu'Axi nous ayons Panthéon Guadeloupéen, qu'on aura dit, parce que nous avons estimé, et Axi n'a pas atterri, il a atterri à 100 mètres de vol d'oiseau des locales là, c'est pour dire que tout le but est là, ça symbolique. Et jour là, qu'accident accident, t'es agonisé. Nous avons des respect à tout Timounaï. Nous avons fait la première fois nous avons fait les tirs, nous avons fait Képi Rouge. Et nous avons fait l'ennui. Nous passons Bokaz à Axi. Axi était à Sikouchaï. Il ne peut jamais lever dans la journée là. Il levait, moment là, ça,
nous était fermé à Kazaï et tennis madame t'a suivi c'était à côté un petit moment et nous lever nous doubout et nous garder axi par fenêtre et nous voyons que accident t'a fait nous au voir. Ouais. Et il est capable. Et laissez-nous aller débouler. Ouais. Nous débouler l'ensoir, nous faisons nous passer parce qu'il n'y a pas de paix sortir avec nous, il était malade. Nous allons rivière des paix. Et comme par hasard, l'année là, ça c'est 10 l'année. 10 l'année qu'il est parti. Mais c'est aussi 50 l'année à les événements 67. Aussi là, nous t'ai fait première fois Képi Rouge là. C'est pour ça que Dieu que dimanche, comme c'est pas par hasard que Bastet nous crée en Képi Rouge et nous crée qu'à débouler Bastet à partir où nous n'avons rendez-vous à 4 heures pour nous débouler à partir de 5 heures. Dernière question, nous calaguez pour descendre Bastet en Bastet, parce que c'est mon Bastet, par adoption, Capestet. Est-ce qu'il y a une philosophie vous comme? On peut estimer qu'il n'est pas obligé d'avoir une philosophie vous comme, ça est trop facile. Et c'est pour ça, alors si une philosophie vous comme, merci la Guadeloupe, il faut une philosophie, d'autres philosophies et qui rendent qu'il tient nous très riche. C'est pour ça qu'il y a milité pour que nous ne pas penser qu'il y a qu'à envoyer un message bah, les frères, que la vérité de notre travail culturel, c'est de dire, et surtout là où nous avons traité l'affaire masse, c'est que masse ne peut pas être n'importe qui genre. Il y en a tout en ces bocases. Et si nous traitons Saint-Jean, c'est Saint-Jean, c'est la pointe. D'accord. Et merci que les autres groupes, les autres mouvements qui ont senti musique là ça, mais il faut savoir aussi que ne peut pas qui dit que la qualité c'est tel butin. Au contraire. Et à un moment là, ça veut dire peut-être pas une philosophie vous mais une démarche vous décatement. Non, décatement. Merci Fred Demetrius, merci pour vous, merci pour Guadeloupe qui pas te connaître. Nous t'ai dit qu'on était font spécial éveil. Eh ben nous tiennent parole en nous. On va dire merci de venir. Merci Canal 10. Et puis quand c'était si bon. Nous attendons nous autres demain soir. Demain soir, on va voir caméraman. Là, on s'appelle là. Ouais. Des petits mots, des petits brefs rapidement Mendy avant de nous quitter. Oui, effectivement, vous devez le savoir, les candidatures donc officielles à la présidence de l'Université des Antilles ont été publiées. Donc la liste des candidats éligibles est arrêtée comme suit. Nous avons donc monsieur Eustace Janqui, professeur des universités et praticien hospitalier. Également, nous avons Jean-Gabriel Montauban, qui est également professeur des universités, mais en économie. Et enfin, M. Vincent Valmorin, qui est lui professeur en mathématiques. Donc, c'est trois. Et qui sera notre invité dans ZCL mardi. Ah ben voilà, parfait. Donc, ils sont trois donc, à se disputer la place à la présidence donc, de l'Université des Antilles. Et puis, dernière brève, il s'agit donc de ce scandale, on peut le dire comme ça. Une procédure de suspension de la commercialisation donc, de l'Uvestérol a été engagée après la mort d'un nourrisson. Ça a été annoncé donc ce mercredi 4 janvier dans un communiqué. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, donc c'est elle qui l'a publié. Voilà donc pour le journal de ce 6 janvier. Ben voilà, il est 13h52 dans le ZCL, ce spécial, vous comme spécial Mas Bastet. Ça a été important qu'on ait fait. Alors, plus d'informations, bien évidemment, à 6 livres Lassa, journal Lassa, mais aussi à 6 sites à vous comme www.voucoum.org. Oh, c'est ça. Oui. Exactement. Ben, Fred, merci d'être venu. Hein. Merci, Canal 10. Et tout le monde qui écoute. Merci. Et nous, quand on dit tout le monde, ben, bon, force, on se retrouve lundi. Lundi? On se retrouve lundi. Lundi pour la nouvelle série de ZCL à partir de ce lundi. Et puis, tout le carnaval là, nous, qui l'a avec autres. Voilà. Il finit. Réalisation Ricardo. Et puis. On vous retrouve cet après-midi. On vous retrouve cet après-midi. Je crois en l'occurrence deux groupes de carnaval, Gambo, ouais. Et Double Face. Ah, on ne sort pas du carnaval. Voilà. OK. Fête. Et bon. Ciao.